c'est trop minouche. J'adore. Par contre, je suis... On voit bien dans son papotin. Kiko tout le monde, Kimoman ici, et Namsoon. Nous sommes sur un jeu qui s'appelle le Hill, The Island, où qu'on peut devenir un dinosaure. N'importe quel dinosaure qu'on rêverait d'avoir. Yeah! Légèrement pathétique, mais c'est pas grave. Ici, je suis avec un petit bébé T-Rex, un adolescent T-Rex, on va dire, qu'on puisse voir ici. Il y a le bébé. Ah, quand on est dans une partie, on peut, les gens peuvent faire des nids et on peut devenir un tout petit dino. Ici, je suis un peu, comment dire, 6-7 ans, on va dire. Là, c'est l'adolescent et là, c'est quand on est un grand et qu'on peut voir 50%. Parce que là, je me suis mis en survie sur un petit serveur vite fait. Parce que je vais faire une transition à un autre serveur après où que je suis un adulte. Donc, j'ai galéré 2 semaines pour l'avoir et beaucoup d'heures de jeu pour rester en vie, pour rester un adulte. Parce que ce n'est pas facile. Il faut savoir qu'il y a 2 modes qu'on peut avoir. C'est Sandbox or Survival. Survie, c'est comme j'ai dit, quand on est tout petit comme ça, on est obligé de chercher nous-mêmes notre nourriture, nos boissons à boire, de l'eau, surtout de l'eau. Et Sandbox, c'est la version où on peut choisir ce qu'on veut, bébé, grand, quoi, qu'est-ce, comment. Il faut savoir qu'en survie, il n'y a que une limite de dinosaures qu'on peut choisir et jouer avec pour le moment. Ce jeu est 20€ sur Steam et franchement, c'est le pied. J'ai jamais passé autant de temps sur un jeu, à part Neverwinter, que j'ai passé. Je crois que déjà, j'ai déjà 78 heures de jeu déjà. Hein, et ça fait à peine un mois que j'ai le jeu, pour vous dire, à tel point que je ne dors presque plus avec ce jeu. Comme j'ai dit, là, petit boisson, c'est de l'eau. Ah, s'il veut bien, merci. Oui, il y a encore des trucs qui doivent être encore réglés avec le jeu. Mais un avantage avec ce jeu-ci, c'est qu'il travaille énormément dessus. Ce n'est pas comme Ark. Quand je dis qu'il travaille dessus, franchement, il travaille dessus. Déjà la semaine dernière, il y a eu une mise à jour justement sur le T-Rex et sur le Giga. Et franchement, dès qu'ils peuvent, il y a un travail dessus. Et ça ne casse pas le jeu, c'est ça qui est agréable. Ils écoutent la communauté, ils écoutent les joueurs, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on a besoin, quoi. Et ça, c'est génial. Yeah! Je suis un petit T-Rex! Wouhou! Je suis tout mignon! Je parle. J'attaque. Ça, c'est quand j'attaque. Et maintenant, je vais aller sur l'adulte que j'ai. Et je vais peut-être mourir dans cette vidéo-là. Ok, nous sommes de retour avec mon T-Rex adulte dans un autre serveur 100% survie et 100% free pour tout le monde. Et j'ai passé 2 semaines à essayer de l'avoir. Bien sûr, je n'étais pas dessus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et... j'ai peur de bouger, mais il faut bien que je bouge. Pour vous le montrer, je vais mourir. Aïe, ouais, d'accord. Hein. Oui, on prend beaucoup les armes. Voilà mon grand T-Rex. Il n'est pas encore... je crois pas qu'il est à 100%. Si, il est à 100%. Il est là. Gros bébé. 2 semaines pour l'avoir comme ça. Et il faut savoir aussi, c'est que fur et à mesure que tu joues le jeu, si tu arrives bien sûr à être un adulte sur un serveur où qu'il n'y a pas plus de 20 règles, parce que les serveurs, il y en a certains où que c'est des règles impossibles. En fait, tu t'amuses plus en fait. Il y en avait un que j'étais intéressé, finalement je ne l'ai pas fait. Et celui-ci, comme j'ai dit, c'est un fruit. Il n'y a pas de règles en fait. Vraiment, il n'y a pas vraiment de règles. C'est vraiment chacun pour soi, ou bien en groupe, ça vous le voir. Risque et péril. C'est ça, dans les descriptions du truc, c'est risque au péril, c'est pas une blague. C'est un serveur américain et franchement, je l'aime bien. Mais comme je disais, c'est quelque chose que j'adore, c'est un jeu que j'en suis fan. Et moi, j'aime bien les dinosaures, alors même sa gorge, quand on va, il bouge tout seul et tout. Franchement, c'est bien fait. Ah oui, comme je disais, que même si on est à 100% et on est adulte, vous pouvez voir toutes vos statistiques. Si vous êtes en groupe, vous pouvez voir qui vous êtes
avec qui vous êtes en groupe. Il faut savoir que même si je suis à 100%, fur et à mesure que je joue le dino et tout ça, tu vas voir que ton dino va grandir de petit à petit, en fait. Et c'est génial. Je ne crois pas qu'il y ait un système de vieillissement encore. Je ne sais pas s'ils vont le mettre, mais franchement, il est génial. Bon, ici, je ne vais pas commencer à crier parce qu'on est quand même 14 dans le serveur et je n'ai pas envie de faire peur ou faire comprendre les gens que je suis présente. Ça, il faut savoir un truc. Si vous décidez d'aller sur un serveur et que vous commencez à gueuler dans tous les sens avec votre dinosaure, il n'y a pas de vocal hein, dans ce jeu. Ça, j'aime bien personnellement. Il y a un système de chat qui est ici en bas, mais dans le serveur que je suis, le côté global, il est coupé pour éviter des bêtises, on va dire, hein, quand on meurt ou qu'on tue ou quoi qu'est-ce comment. T'as ton chat de groupe et local, c'est quand quelqu'un est dans les parages. Mais comme je dis, c'est risque à péril. Hein, c'est vraiment un serveur, moi j'aime bien, j'ai galéré, hein, mais bon, j'aime bien. Mais il ne faut pas prévenir les gens quand vous voyez qu'il y a beaucoup de gens sur le serveur. Ne commencez pas à crier avec vos dinos ou quelque chose comme ça, ou bien vous le faites comme test. Mais sinon, boum, soit ils viennent te tuer, soit ils sont là et vont essayer de te tuer. Voilà. Le résumé de la chose, entre autres. Mais moi, comme je dis, je voulais devenir un T-Rex et je suis enfin un T-Rex. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen de... Quand tu chasses, c'est quand tu cherches ta proie. Pour le moment donné, j'entends pas de proie pour le moment. Je commence à avoir faim, je crois. En plus, c'est ça le pire, ouais. J'ai déjà perdu un peu. Non, il est génial. Moi, j'aime bien. Cette vidéo va être un peu... si ça vous dit que je continue à jouer ou pas. Si vous êtes intéressé de voir des images de ce jeu-ci, si c'est le cas, j'irai sur un autre serveur où là c'est semi-réaliste, qui veut dire que certains carnivores potent avec certains carnivores, ils buvent, on doit se défendre, on doit vraiment c'est bien fait quoi. Ici c'est juste pour vous montrer un peu le jeu du moment que j'ai flashé dessus et je bouge. Tiens, il se gratte la patte. Ah, il s'est gratté. Ah, ça... Regarde, c'est trop minou, j'ai bien fait, quoi. Pour le moment donné, j'entends pas de IE. Or, normalement, il y a du IE dedans. Moi, je suis pas une joueuse pour aller voir quelqu'un, un autre dino, et je l'ai tué. Au contraire, quand j'étais un petit, j'avais vu un autre dinosaure qui commençait à côté de moi, qui commençait à avoir faim. Ben, j'ai tué, parce que, bien sûr, le T-Rex... Sa force pour tuer était beaucoup plus rapide que lui. Il galérait pour l'avoir son petit yam yam, comme on dit. Et je l'ai tué, j'ai mangé un petit peu, alors je lui ai laissé le reste. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va commencer à tuer tout le monde pour m'amuser. Non, ça ne m'intéresse absolument pas, ce genre de truc-là. Il y en a, hein, c'est pour ça que le chat... Oh, oh, un peu de lag. Oh, il est beau! 2 semaines pour l'avoir. Vous imaginez 2 semaines pour l'avoir. Ah, je vous explique pas combien de fois je suis morte. Et le pire, c'est que je suis même pas morte par des autres joueurs. Je suis morte de faim, moi. Faim ou soif. Bon, il n'y a pas... J'entends pas de... Du AI, je sais pas. Ah, faut savoir qu'il n'y a pas un système de cartes dans ce jeu. Si vous avez envie de savoir où vous êtes, il faut aller ici et celle-là. Et on peut le copier, hein. Mais il n'y a pas de système de... Oh oh. Sentir un peu vite là parce que le IA qu'on a entendu là, le petit dino que vous avez entendu là, ah là-bas, il y a quelque chose là-bas. Ça, c'est un IA, ce que moi je recherche. Et j'ai vu... Ah ouais, tu vois, ça c'est un IE. Le petit dino que vous voyez là, c'est un IE. C'est un petit raptor.
viens de tuer et que je vais manger. Il est où? Ah bah tiens. On va aller maintenant. Quoique, on va aller pour lui. Si j'arrive à l'attraper! Voilà. Bon, j'ai pas besoin de manger grand chose, mais en deux bouchées, il va être vide. Il va être parti, tu vas voir. Voilà. Il est parti! Alors, je suis désolé s'il y avait un autre joueur qui voulait celui-là, mais tant pis pour vous. Ouais, je sais, je suis méchante. Et ce qui est bien, c'est que quand je vais commencer à sentir... On voit les traces, on voit la, la partie rouge, ça c'est le petit dino que je viens de tuer. Et normalement, il y a le tout petit que j'ai tué, mais je sais pas où il est. Il ne montre pas. Je crois que c'était quel... je crois que c'est ici, non? Ah! Oui, ça par contre, ils n'ont pas encore réglé, c'est le fait qu'on se bloque sur des conneries. Ah voilà, il est là. Ah ah! Et franchement, j'adore. Voilà, en bouche. Une seule bouchée. Oupsie! Et graphiquement, ce jeu est magnifique, quoi. Au cas tel point, t'as la gorge du dino qui se bouge tout seul. Il se gratte. Quand je zoome, vous allez voir la texture. Regardez-moi ça, quoi. L'œil et tout, quoi. La gorge. Franchement... Moi, je dis chapeau, quoi. Et c'est juste 20€ sur Steam. Et ça, moi, ça fait depuis que le jeu est sorti que je le suis, mais mon PC n'a jamais été assez puissant pour le jouer. Et là, je sors vraiment de mon zone de confort pour vous. Oui, aïe, aïe, c'est mignon. Oui, on peut nager. Mais on peut se noyer. Et la carte, elle est grande, franchement. Là, je suis sur un serveur de 150 personnes. Et même avec 100 personnes, ce que j'ai déjà eu, j'ai jamais vu quelqu'un pendant une heure. Jamais. Jamais trouvé quelqu'un. Une heure, j'ai joué, où il y avait 100 personnes. J'ai jamais trouvé moins personne. J'ai trouvé personne. Bon, j'aimerais bien qu'il pleuve. Pluie! Ah oui, aussi, il y a des petits bâtiments et tout comme ça. J'ai entendu quelque chose. Quelque chose là-bas. J'ai vu quelque chose là. Hé, j'ai vu quelque chose là. Il est où? Il était là. Ah, je l'entends bouger en plus. Je l'entends bouger mais je le vois pas. Ouais, je t'entends. Je t'aurai un jour. Un jour. Hé, hey, chush. Si je reste pas coincé sur un... Ah, bon, pour une fois, je veux qu'il pleuve dans ce jeu, il veut pas. Ah. Parce qu'avant que je déconnecte, je veux quand même vous faire entendre le cri de le grand roi T-Rex. Pour une fois, je veux qu'il pleuve. 99% de temps, tout ce que j'ai, c'est de la pluie, je veux pas. Pour une fois, je le veux. Yes! Il pleut! Oh. Bon, bon, pour finir cette vidéo, hein, si vous avez envie de voir de plus, vous savez quoi faire. Bisous, bisous.